t'appelle, il t'appelle, il t'appelle maintenant. Il t'appelle, Dieu t'appelle à l'instant. Bonjour, aujourd'hui 5 novembre, nous fêtons Sainte Bekti. Son enfance fut un modèle de pureté et rempli de vertus. Dans l'abbaye de Jouarre où elle était, elle devint infirmière et enfin prieure. La reine Bathilde fit bâtir l'abbaye de Chelles et en se retirant elle-même, pria Théodechilde, abbesse de Jouarre, de lui donner quelques-unes de ses filles avec une supérieure pour composer la communauté. Théodechilde y consentit et elle lui donna Bertille ou abbesse avec quelques d'autres religieuses. Bertille gouverna cette maison pendant 46 ans avec prudence, une douceur avec une piété merveilleuse. Elle fut à Chelles la plus fervente de toutes, la plus assidue aux offices, la plus humble, la plus patiente et la plus charitable. Sa vie y fut si sainte, sa conduite si sage et si édifiante que toute la communauté en était dans l'admiration. Une fièvre l'emporta le 5 novembre 692. Son tombeau ne tarda pas à devenir célèbre par les prodiges qui s'y accomplirent. Soyons toujours patients, assidus, dévoués et charitables envers tous ceux qui nous entourent. Nous faisons aussi mémoire des saints Domné, Théotime et leurs compagnons de Guy-Marie Conforti. Bonne fête aux heureux de ce jour.